Je pense que c'est parti. Je pense que c'est parti. Hein, je pense que c'est parti. Yes, 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 yes. Oh purée. Yes, 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 yes.
Thank you.
Thank you.
Non mais là, il a pas... Yo-Yo a pas mis son micro, alors sniff. Je crois que j'ai complètement activé mon micro. J'ai complètement oublié d'activer mon micro. Non! Sans blague. Là, je suis en train de parler. Non, je suis en train de parler dans le vide. Ah, non, mais franchement, non, mais je vais pas refaire le live, je vais pas refaire toute la partie. Non, mais sans blague. Bon, attends, je vais récupérer une clé là qui ouvre le château parce qu'apparemment il y a. Il y a des trucs légendaires à taper aussi. Bon, mais désolé, hein. Désolé, j'ai oublié d'activer mon micro. Là, j'étais en train de parler dans le vide. Bon, mais du coup, pour ceux, je vais recommencer. Bienvenue sur le live. Là, je suis en train de faire le marathon de Wonder Boy de Dragon Strap sur PS4. Bon, pour 2 heures de temps. Bonjour à tous. Comment ça va? Moi, ça va super. On se retrouve pour le marathon PS4 de Wonder Boy de Dragon Strap. Il y a quelques temps, j'avais fait 2 lives sur le forum. Oui, ça va, Néo. Oui, ça va, Néo. Ça va. Et puis, j'ai... Alors, pour vous dire... Excusez-moi, j'ai mon micro qui est pas branché. Voilà. Donc il était en mode mute. Oui, je t'ai parlé. Oui, je t'ai parlé de la version 8 bits qu'il y avait sur la Master System en 89. Il y avait aussi la version Game Gear. Si tu connais, et aussi il y a une autre version sur PC Engine aussi.
Donc c'est le célèbre jeu Wonder Boy qui est sorti il y a au mois d'avril, 18 avril sur PS4 par Lizard Cube. Donc on va aller au vieux château. On va aller voir, on va aller revisiter donc. Donc il s'agit tout simplement du seul jeu Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, sorti en 89 sur la Master System, sur Game Gear. Là je vais mettre sur le petit boomerang. Aïe. Faut que tu notes le punchline pour le quoi tout à l'heure. Oh d'accord. Mute éteinte. Ouais bon c'est bien sympa. Oh qu'est-ce qui se passe? Eh tu peux pas me tuer là. Bon attends, je me sauve parce que apparemment. Bon ça va. J'ai encore de la vie supplémentaire. Regardez-moi ça. Là je suis en train de battre des monstres. Des monstres. Oh là 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 je suis en train de faire des bêtises. Hein. Allez. Au revoir les monstres. Bonjour trésor. C'est quoi cette épée là? C'est bien sympa. Allez, hop. Tu sais quoi? Je reviens parce que là j'ai, il y a autre chose à récupérer aussi. Hein. Je vais gagner le jackpot. Beau jackpot. Je sais pas si je peux réessayer encore. Ah ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. L'épée légendaire. Allez. Je vais essayer de récupérer tous les items. Oh, y en a un autre aussi. Oh là là. Je me casse parce que les ennemis ils sont un peu trop forts pour moi. Allez. Celui-là. Hop. Il a essayé. Tiens, j'ai une autre clé en plus. Hop. Une tornade. Ah, je pense que j'en aurai pas assez. Hop, une armure. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme armure? Une épée légendaire. Là, il y a d'abord le bouclier légendaire qui a 5000 pièces d'or. Et là, je vais passer en armure légendaire. Le problème, il faudra que j'achète le bouclier qui a 5000 et j'en ai pas assez. Paf. 7-8 hein. Quoi? Bon bah d'accord, 5440 et là je suis à 4792. Bon ok, je vais trouver un moyen pour gagner un peu de sous. Donc j'ai récupéré un trésor ici.
Je vais aller recharger un peu de... truc gratuit avant de... choper le dernier boss. Par contre, le dernier boss, il est un peu plus facile, quoi. Allez, hop, on va aller au désert. Moi, je vais aller voler plus rapide. Là, je vais faire un petit speedrun. Ça va en bas. Et ben, vous savez quoi, les loups là. Après, quand je vais repartir de la pyramide en bas là, je vais remettre en 8 bits. Et en plus, récupérer les pierres là, les pierres de charme aussi. Là. Parce qu'il y avait un autre truc. Ah non, c'est pas celui-là, c'est les trésors qui sont en bas. Alors. Celui-là, premier. J'aurais dû faire les pierres de charme. L'épée porte-bonheur. Tiens, je suis un peu nœud, moi. Mais c'est pas grave. Allez, 1, 2, hop. Allez, voilà. Et ça fait argent. Hop, ouais. Alors, le truc. Deux. Alors, une. Deux. Trois. Le troisième trésor. On va récupérer ça. Les boules de feu. Je vais recharger un max. Faut que je suis go pour le dernier boss. Alors, un. Deux. La boule de feu, les tornades, même si on n'a pas l'utilité. Ça, sous de feu, tornade, là, ça va être quoi? Ça va être les flèches. Voilà, c'est bon, hop. On refait pour la quatrième fois. Il y a 8 trésors qui sont en bas. 3, attends. Alors, je vais essayer. Alors, ça, c'est les flèches. Après, c'est le bon moment, hein. Alors, les sous, les boules de feu, les tornades, flèche, ça. Après, il reste 2 trésors à ouvrir. Il y a des sous à récupérer. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8. Là, je repars. Ah, j'ai récupéré une 3ème potion. Et hop, je vais repartir. Et je vais vous montrer un truc aussi. Il y a des pierres de charme à récupérer. Donc j'en ai récupéré un.
Ouais, j'aime pas les maths. Doit avoir une autre pierre de charme. Doit avoir deux pierres de charme aussi. J'en ai récupéré une quand j'étais dragon. Il y a une note qui est un peu casse-bête, c'était celui de la souris. Voilà, la pierre qui fait du charme. Attends, je vais te montrer pourquoi qui fait du charme, parce qu'il faudrait que... Ouais, j'étais un dragon en fait. Non mais si tu veux voir les épisodes, attends, il faudrait que... Attends, hop, je vais mettre une petite pause, une pause magique. Attends, je vais te montrer les trucs. Alors, hop, 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 hop. J'avais fait sur YouTube. Ou alors, attends. Au pire. Attends, je vais mettre une petite pause en attendant. Alors, attends, je regarde que je vais trouver le lien. Aussi. Alors, paf. Le lien. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé le lien. J'avais fait deux épisodes entre temps, c'était au mois d'avril. Hein. Ça fait il y a deux mois de ça. Alors, pif. Alors, tac. Je vais le mettre sur ma chaîne parce que sinon. Voilà. Et voilà. Tiens, regarde. Hop, j'ai mis ça sur le forum. Tiens, regarde. Allez. Non, il est pas encore 4 heures, mon coco. Allez. C'est reparti. Il avait fait deux épisodes. J'ai pas envie de tuer les ennemis. J'ai trop la flemme. Ah, si tu veux que je fasse la petite pause goûter, alors je crois que c'est pas ici, je crois que c'est le prochain passage. Voilà. Ah, lui il avait vu quoi. Que j'avais fait sur YouTube. Pendant que Philly, tu sais, pendant que Philly, non, pendant que Lily, qui était community manager et qu'elle avait un petit contretemps, sold out. Ok, ça c'était l'armure du dragon. Regardez-moi ça. T'es brûlé ou t'es juste content de me voir? J'aimerais bien, mais le problème, j'ai un truc à faire. Allez, au revoir, madame. Allez, hop. Et en plus, ça me fait mal. C'est pas possible. Hop, je remets la version 8-8. Hein. Ouais, je suis brûlé. Allez, hop, je suis au château, hop, je repasse. Et il y aura une surprise qu'ils ont rajoutée dans la version HD. Et bien, il y a des l'inconnu. Il y a des passages secrets qu'il n'y avait pas à l'époque. Alors, déjà, l'épée, déjà, je vais remettre en épée légendaire. Bouclier de maintenant, faudra que j'aille récupérer le bouclier légendaire. Hop, celui-là. Ah non, ça sera beaucoup plus simple. Je vais mettre les tornades comme ça. Je vais récupérer les tornades.
récupérer du cœur. Bon, attends, là, ça va être beaucoup plus simple, c'est les éclairs. Oh le petit ogre. Là je suis en train de faire les trucs. En plus j'ai pas le goût. Ici il y a des enders. Hop. Oh je sens que je vais être mal. Attends, tornado. Tornado! Hop, là j'ai récupéré une clé qui ouvre une porte et que je récupère, hop, une pierre de charm. Bien. Allez, je me casse de là parce que là c'est... Je me casse de là. Je vais mourir. Allez, je me casse de là. Oh, je perds de la vie. Je sens que je vais perdre la vie. C'est pas vrai, je suis un game over, mais c'est pas grave, je vais continuer la partie. Trop tard, bon, ok, bon, hop, faut qu'on ça va, allez, je pense que je vais mettre un homme piranha ou alors un homme lion. Alors, dragon, ça c'est fait. Donc, la souris, non. Bah, ouais, ouais. J'ai dit continue en pièce illimitée. Alors, un homme piranha. Ah, des pièces, faut remettre des pièces. Mais d'abord, pour jouer à la sécurité, je pense que je vais récupérer un truc légendaire. Ici. Allez, attends, que je regarde bien. En fait, faudrait que je regarde aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des trésors en plus? Non. Bon. C'est pas grave. Sinon, bon, moi j'ai une astuce à faire, c'est de récupérer plein de sous-sous. Bon. Mais j'ai pas envie de prendre des sous-sous. Allez, on va récupérer un truc. Dans le bloc, un imbécile de rue avait égaré au beau milieu du labyrinthe. Ben, c'est bien sympa. Allez, hop, je vais me remettre en pierre en A. J'en ai combien en tout de trucs hein. Là, j'ai deux pierres de charme. Déjà.
tiens. Je vais remettre un rapidos ici. Là, je vais me remettre un homme piranha. Bon, la souris mana, c'est mana. Piranha mana. L'homme poisson. Qui sait nager. Ah, parce que moi j'ai un autre truc aussi à prendre. Et il y a une porte secrète qu'ils ont ajoutée en plus de ce jeu. Bienvenue inconnu. Alors déjà boule de feu, épée légendaire, bouclier légendaire, l'arme légendaire. Pourquoi je mets ça? Parce que attends. Là. J'ai récupéré une clé qui ouvre la porte et que je récupère une pierre de charme ici. Donc ça en fait 3. Et ma patte. Allez, hop, je me sauve de là parce que. Hop. De boomerang. C'est bien. Hop. Comme ça, ça c'est des niveaux bonus. Quand on en avait pas sur la Master System aussi. Donc, hop, on va revenir en arrière. Si je veux bien. Si tout va bien. Je m'en fais pas tuer parce que là les monstres sont
Corias de chez Corias. Allez. On va remonter à la surface. Ah, ça y est, je suis un peu tranquille pour l'instant. Ok, les monstres qui sont en jaune, mais c'est ceux qui sont rajoutés aussi et qui sont très coriaces de chez Corias. Bon, allez, hop, allez. Direction ici. On va se changer en homme de lion. Voilà. Alors, Néo qui me disait, toi Néo, donc, pourquoi je cherche les pierres de charme? Eh bien, tout simplement, parce qu'il y a une porte secrète et il y a un truc. Si je me fais pas de charme, j'aurai pas le matos. Tu vois, je suis bloqué. Donc il faudrait que j'aille chercher des pierres de charme pour faire du charme au cochon là. Oui, je fais du charme au petit cochon là. Là, il me reste. Il faudrait que je trouve 4 pierres minimum pour débloquer une épée. Qui coûte assez cher. Bon. Allez, hop, on est reparti. Je sais où se trouve. Non, je crois que c'est de l'autre côté. Hop. Je crois qu'il y a un truc en dessous. Trésor inconnu qui sont. Je crois que c'est pas là. Je crois que c'est ici. Ouais, là, c'est là. C'est là, regarde. Hop! Un petit inconnu qui est là. Paf! Regarde, hop! On sort ça. Et on atterrit. On va casser les pierres de charme comme ça, ça sent bien sympa. Voilà, allez, hop, on descend. Donc il y a une porte ici. Ah ouais, attends. Hop. Donc stop. Donc hop. On va pas casser le truc parce que hop, on va mettre le sabre magique et on aura un boomerang ici. Hop. Ah,
Hop. Voilà, ça c'est bon. Hop, j'ai retrouvé une pierre de charme. Bon, alors, donc on va d'abord, avant de sortir, là je suis outil sécurité, je vais reprendre l'épée légendaire, bouclier légendaire, armure légendaire, c'est bon, je suis au max, comme on disait. Et là, je suis là, non, faut pas que je fasse ça. Je reviens, mais putain, je suis en train de... Allez, casse-toi. Ça y est. Voilà. Et on ressort par là. Bon. Je suis un peu tranquille. Aussi. Bon. Je reviens là. Fermez ça. Bon. Hop. Une tornade. J'ai toujours manqué les bombes. C'est bon. Allez. Nuage. Oh la musique est géniale. Ça me fait penser à la plage. Vivement les vacances. Ah. Bon. C'est bon. Ça c'est bon, j'étais là. Hop, le petit cochon. Là, il n'y a pas de trésor. Je pense que je dois avoir des clés. Non, j'ai pas de clés. Il faudra que je m'en achète une clé. Je vais essayer. Hop, on va retourner au village. Alors, est-ce que j'ai fait du charme, mon petit cochon, hein, mon petit cochon, hein, mon petit cochon, je t'ai fait un peu de charme. Oui, j'ai passé. Bon, 2017 dollars, 2017 pièces d'or, une épée gauloise, 250 d'attaque. Alors, d'attaque plus spéciale, donc l'épée légendaire, elle est à 245 à l'épée. D'accord, bon, j'ai pas assez de sous. Bon. Bon, on fera avec, donc on va aller chercher la petite clé, bon, plus que j'ai. Et me changer en mode d'oiseau. Que j'en aurai assez si j'ai terminé le jeu. De toute façon, moi j'approche jusqu'à la fin. Bon, allez, hop, je vais aller chercher la petite clé pour suivre l'aventure. Hop, non, non, si. En plus, le bouclier céleste qui est à 3980. Il me reste combien de boucliers? Attends. L'épée légendaire, comme ça je regarde. Les... Ouais, il me reste deux trucs à prendre. Bon. Allez! Vous savez quoi? Bon, vu que j'ai l'épée, j'ai tout en légendaire, que j'ai tout récupéré. Donc, je vais aller en face. Parce que je peux voler. On va aller battre le boss cuisine final. Ça c'est bien. Bon. Sabre magique, t'es là.
Sabre magique, t'es là? Non? Attends que je regarde bien. Alors, tant que. Hop! On va remettre l'épée légendaire. Je pense que c'est. Ouais, c'est celui-là! Yes! Allez! Regarde-moi ce château. Je pense que c'est le château du dragon. Allez! Je pense que c'est parti. Allez battre le boss final. Bon allez, on va soigner les petits bobos. Aussi. Hop, on va changer le personnage. Bah le dragon je peux pas. Il y a que la petite souris qui peut y aller. Bien entendu. Regardez-moi ça. Regarde, hop. Surprise à chef hein. Un truc, oui, il y a des trucs partout, hein. D'accord, allez, hop, regardez ça. Là, c'est une surprise. Donc, je crois qu'il doit y avoir un truc en plus. Une pierre supplémentaire. Oh, bravo, 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 bravo. Oh, une pierre supplémentaire, ça y est, je crois que j'ai des cœurs en max. Pas des trucs comme hein, bon. Oh. Bon, il y a un barre en haut parce que moi j'aime pas les nuages là. Alors, tant que ça, hop, hop, on va changer de forme, on va prendre le Piranaman. Ici, on a trois poissons. Avant, on avait un petit poisson. Là, allez, hop. Tuk-tuk.
magique. Alors ça, je pense que ça c'est les ninjas, les samouraïs qui me font un peu... un peu chier. Bon, c'est bon. Ah ouais. Ah ouais, parce qu'il m'envoie plein de trucs. Hein. Allez, on va changer. Allez, voir le gros lion. Franchement, la musique elle est trop géniale. Allez, hop. On va éviter. Et là, on est dans le noir le plus complet du monde. Ils auraient pu mettre de la lumière en fait. Parce que là, dans le même système, il n'y avait pas grand chose. Il y avait des fantômes par rapport au petit fantôme là. C'est vrai que c'est beaucoup plus sombre. Même les mecs qui crachent, même le mec qui crache du feu. Casse-toi. Ah non, c'est de suite. Ah, je suis en train de mourir. Je vais pas arriver à la fin, non, de douche. Allez, hop, ramène-moi le cœur. Là. C'est bon. Alors là. Je peux pas, à part moi j'ai une porte secrète. Je suis redevenu un petit oiseau au fond des îles là. Donc hop, on va remonter. Je pense que j'ai tout, je suis tout en légendaire. Hop. Je sors, hop, j'avance. Hop, j'ai récupéré une vie. Je dois avoir un truc là. Non, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de truc. Bon ben, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis presque à la fin. Donc j'ai pas de potion, j'ai 5 boomerangs, pas d'éclair, j'ai 10 boules de feu, 12 tornades, une flèche, donc j'en ai pas besoin. Et donc messieurs dames, j'arrive à la fin du jeu. Et je vais battre le dragon vampire qui me saute dessus. Et qui m'attaque de fond en comble. Bon, attends. Hein. On va essayer tranquillement. On va pas sauter parce que il crache les feux. Voilà. Ça c'est bien. Allez,
courage. Oh là là. Oh là là, il m'attaque. Non. Bon. Non. Alors là, c'est pas possible, je vais pas mourir là. Jusqu'à la fin. Non, c'est pas possible. Allez. Paf. C'est bon. Là, il y a le dragon. C'est des espèces de dragons là. Peut-être que je vais aller arriver à l'époque là. Non, même pas. Bon. Je sais que je peux te réveiller là. Oh alors, tu viens de te battre ou quoi? Ah, tant mieux. Putain. Oh là là. C'est pas vrai, c'est pas possible. Allez, paf, ça c'est bon. Je peux y arriver. Là, il me reste allez, un petit cœur, un cœur et là, il reste 56 points de vie, mais je pense que ça va être trop tard. Bon, ah, je sais. Pof, là, je suis chaud. Là, il me reste 40. Aïe. Il me reste 40. Non, attends, non, je vais pas y arriver là. Non. Là, je suis un peu prudent et je suis presque morte. J'ai plus de cœur. Non, sans blague. Là, je suis. Ah, Wonder Girl. Je veux la croix de la salamandre. J'ai presque plus de vie. Là, il reste 4. Allez, encore 4. Encore 4. Allez. Courage. Yes. Ah non mais là c'est un truc de fou. Alors, attends, là je vais prendre je vais partager. J'ai franchement c'est un truc de malade. Mais franchement, un truc de chez malade. Merci, Saglou. Bon, je pense que je vais partager plus tard. Bon. Allez, Facebook, Twitter. Allez, ce. Très. De malade. Ah. Attends, je préfère pas partager. Attends, hop, je vais essayer de. Au pire, je vais essayer de prendre la vidéo à peu près peu malade. Mais bon, allez! Regardez-moi ça. Adieu le faucon. Au revoir le lion. Au revoir le mon poisson. Au revoir la souris. Au revoir le dragon.
Bonjour Wonder Girl. Ça y est, j'ai retrouvé ma forme humaine. Oh, Dieu le fréquent. Et c'est ainsi, par une nuit étoilée, que la jeune fille va rentrer tranquillement à sa petite maison. Dors, valeureux guerrière. Ton périple impérieux touche enfin sa fin. Le récit de tes actes vaillants et héroïques sera transmis de génération en génération jusqu'à la fin des temps. Bonne nuit, valeureuse guerrière. Bonne nuit, Monsterland. Ouais. Et elle vécut heureux et eut beaucoup d'enfants. Avec l'homme cochon. You girl. Ah ouais, c'est bien sympa. Lizardman. Eh oui, c'était bien sympa ce jeu là. Wonder Boy. Final, j'ai bien terminé. Youngman et le Fauconman. Voilà, c'était bien, c'était les personnages. Développé par Lisa Cube, édité par Dotemu, les éditeurs français, et c'était un jeu de Sega West One. Développé par West One, édité par Sega. Sorti sur Master System en 89. Je pense que sur Game Gear en 89 et sur 90. Sur PC Engine, attends. Essayer de voir sur Wikipédia. Je sais, je triche. Alors. Et ça, c'est les photos d'époque en 89, ce qu'il y avait. Tu veux un petit mouchoir Néo? Alors, dans Wonder Boy, hein, tant que je regarde bien, Wonder Boy 3. Donc ça, tac tac tac, Wonder Boy 3. Tatatatac, Wikipédia. Donc, hop, nanana. Alors, date de sortie 89. Non, il est sorti en 89 sur Game Gear et Master System. Il y avait sur PC Engine en 91 aux États-Unis et au Japon sur le nom de Dragon's Course et Aventure Island. Je crois qu'on a vu Aventure Island en Occident, en Europe. Et il s'agit du quatrième épisode de la série Wonder Boy, du deuxième de la série de Monster World, suite directe de Wonder Boy in Monsterland. Voilà. Et donc ce remake que j'ai là, c'est le... Il est développé par Lizard Cube, édité par Dotemu. Donc, c'est fait par nos amis français. Bon, il reste un peu de temps, là. Oh, tu parles, attends, là, franchement. Cocorico. Non, mais en fait, si tu veux, les photos, là, c'était les photos de 89, mon petit coco. Et des Canadiens, pom pom, cocorico, voilà. Bon, allez, tu peux continuer à explorer sur les traits de You Girl. Bon,
Merci. Je peux y aller, c'est en Wonder Boy ou Wonder Girl? Ça c'est bien sympa. Allez. Et regardez les petits extraits. Je vais regarder la petite galerie là, qu'ils ont bien faite. Que ça c'est beau là. C'est bien sympa. Hein. Là t'as la souris qui est en train de sonner et le cochon qui dort profondément. Alors ça c'est quoi? Ça c'est, il y a un autre truc, une affiche Wonder Boy Dragon Strap. Hein. Franchement les dessins ils sont pas mal faits quoi. Voilà la petite infirmière, le petit dragon là qui est blessé. qui m'a donné un petit potion magique. Alors là, il n'en peut plus le petit dragon. The Boy Dragon. D'accord. Pas mal. Ça, il y a Human et Wonder Girl. Après, il y a le faucon, le dragon. Après les ennemis. Ça. Comme ça, je vais vous présenter tout la galerie hein, qu'ils ont en fait. Ça, c'est bien sympa. Très bien sympa, ça. Le dessin. C'est le trait de Piranha Man. Ça. Et un Wonder Boy. Après le dragon. Après souris. Le Piranha Man. Le lion. Le faucon. Franchement, les dessins ils sont bien réussis. Hein. Très bien réussis. Hein. Après Wonder Girl, la nouvelle personnage. Faire la rousse, ça c'est les boss, les dragons, et bien tiens, allez voir les dragons, allez voir les autres dragons là aussi, ça c'est le cochon, avec sa cigarette, hein, donc. Fumez-tu? Alors, ça, c'est le dragon Mika, le dragon Mommy, le dragon Zombie, le capitaine dragon, le dragon Daimyo, et le dragon Vampire. Ça, c'est un petit dessin animé GIF, un GIF animé. Ça, c'est qu'on va aller au ciel, mais le problème, on va jouer à la roulette pour récupérer le potion en plus. Souris man, le lion, c'est pas mal, elle est pas mal. Ça là, elle est bien faite. Le lion qui rugit. Le petit faucon. Ça, c'est des ennemis. Les dessins en couleur.
les boss. Ça, c'est une image. Le château qui enflamme. Ça, c'est le village. Le château. Le vieux château. Ça, c'est le village. Vous connaissez le premier boss, ah, ils ont testé plein de trucs, franchement la finale est bien mieux. Ça, c'est là où il y a la forêt, les nuages qui est au-dessus. Ça, c'est le souterrain. Ça, c'est qu'on change, on change de peau. Non, il n'y a pas de platine, si tu veux. Alors, attends, je vais te le dire. Attends, je vais couper un peu la diffusion. Donc, il y a en tout, il y a 13 trophées sans platine. Donc, il y a... Si tu veux, je vais te faire un... Il y a 13 trophées sans platine. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trophées cachés. Donc ça, les trophées cachés, donc aussi, au fait, tous les trucs, les pierres de charme qu'il faudrait que je récupère. Il y a un trophée où on peut terminer... qui est pas facile, mais on peut tricher en mode difficile. Et les autres, c'est de battre tous les dragons. Voilà. Hop, voilà. Donc, je reviens. Voilà. Les images, je crois que ça c'est bon. Ça c'est ici. Qui est moitié fini. Ça, c'est le château, l'ultime donjon. Ça, c'est la tour. Le boss, je crois que c'est le deuxième boss du dragon zombie. Ou non, c'est dragon momie. Ça, c'est ce qu'on a été, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la lave qui se trouve en bas à droite. Hop. Là, c'est du boss final. Et ça, c'est les vidéos. Franchement, la musique elle est pas mal hein, quoi, franchement. Non mais franchement, ils sont hyper faciles. Elle est hyper facile. Bon, il y en a un trophée qui est à peu près chiant, c'est la pierre. Non mais franchement, il est facile hein, quoi. Il est à 19 euros, il est à 20 euros sur le store. Non mais c'est un bon jeu rétro.
qui est revisité, quoi. Franchement, quand j'étais gamin, je jouais le jeu sur la Master System, mais quand j'étais gamin, j'avais jamais terminé le jeu. Jamais terminé. Le plus que j'étais au loin, c'était quand j'étais changé en lion, et après j'ai pas été plus loin, quoi. Donc hop, on va aller voir une nouvelle vidéo. Ah ouais, hein. Non mais franchement, c'est vraiment la musique de jeu qui sont bien faites, hein, quoi. Ça, c'est la musique du boss final, ça. Alors là, si vous voulez prendre des cours de musique, des cours de violon, allez, vidéo suivante. Franchement, elle est géniale. Hein. Bravo, une autre. Allez, hop. Ah, celui-là, il est génial. Hop, ça, c'est la musique du désert. Salut, Caro. Comment ça va? Non, c'est vraiment génial. Alors, hop, on va aller voir la suite. Non, par là.
Non, moi je veux pas parler d'espagnol, on parle français. C'est bien sympa. Voilà, allez, suivante. Je pense qu'on va arriver à peu près à la fin. Ça, c'est la musique de fin. C'est bien pour la sieste. Ah, la petite vidéo court. Alors. Là, on part pour la musique du désert. Eh ben ouais. Ah. Ouais. Ah.